J'ai déjà passé par ici, moi. Que je suis. Oh. Puis Claudio, il est où, Claudio? Oh, je suis perdu, c'est pas possible. Claudio? Ah, vous êtes là, Claudio? Oh, oh. J'ai eu peur, dis donc. Hein. Qu'est-ce que tu as, toi? Bah, je sais plus qu'on est, hein. Vous savez qu'on est, vous? Ah, oh, Kevin, bah, t'inquiète pas, regarde, moi j'ai mon GPS là. Ah, bah c'est bon alors. Ah, t'inquiète pas, tranquille, tranquille, tranquille. Vous êtes sûr, hein? Bah oui. Ok, bah d'accord, on va essayer de trouver la route alors. Ah, oh, qu'est-ce que c'est beau ici dans le bois. Oh là. Ah, bah c'est Kevin qui est là. Ah, Kevin. Ah, Claudio, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, j'ai eu, hein, Claudio, j'ai eu deux options. Ouais, des quoi? Quand je suis perdu là. Soit je retourne sur mes pas, ou soit je vais vers l'avant. Ah, donc ouais. Là, j'ai pris l'option aller vers l'avant. Donc, du coup, si des fois il y a des sauveteurs qui viendraient nous secourir, parce qu'on est perdu. Ouais. Alors, si on a un chiffon, un torchon, c'est mieux qu'un manteau, évidemment. Ouais, et là? Il faut le mettre pour attirer l'œil des sauveteurs. L'idéal, c'est de le mettre dans une clairière assez éclaircie. Bon, là, on va pas pu le faire, mais. Pour qu'ils puissent le voir au cas où du haut. Ouais. On met ça sur une branche d'arbre, comme ça, si sauf ah, d'accord. Ils viennent, ils se rendent qu'on est là et qu'on. Ah oui, d'accord. Et j'ai encore une autre astuce si vous voulez, Claudio. Ouais. Pendant que vous prenez des grosses branches, là, elles sont pas assez grandes, mais pour prendre les plus grosses branches que vous trouvez, et si vous voulez, gars, ce qu'on va faire. Par exemple, on va dire qu'on va partir par là. D'accord. Donc, on va faire une flèche au sol pour indiquer au sauveteur la direction où on va. Ah, là c'est une flèche, d'accord, qui donc on part dans cette direction là-bas. On part dans la même direction pour leur montrer. D'accord, donc. Un petit astuce encore hein, pour les sauveteurs qui viennent nous secourir. Bon, d'accord, donc c'est-à-dire qu'il faut laisser des traces, c'est ça. Voilà, on laisser des traces pour qu'on puisse se retrouver facilement. C'est ça que le plus important, d'accord. Exactement, Kevin. Ok, nickel, Kevin. Voilà, on continue. Allez, on continue. Ah, Kevin, c'est beau ici le bois. Ah, ça va, ouais. C'est nickel, c'est. Joli, oui. Alors, j'ai une question à te poser là, Kevin. Oui, en cas où, si on n'a pas de GPS et on est perdu pendant une demi-heure déjà quand on marche dans le bois, comment on peut faire pour trouver la route là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a dessus, si vous voulez. Bah, dis-moi. Alors, mettons. Déjà, la première chose, c'est si on est perdu, déjà, faut pas paniquer déjà. Faut garder son calme. Ok. Il faut s'asseoir. C'est le principe, pas facile. Et après, déjà, il faut savoir depuis combien de temps à peu près on est perdu. Si on évalue, par exemple, qu'on est perdu depuis une demi-heure, on peut penser que ça fait 2,5 km qu'on est perdu. Parce qu'un marcheur normal marche en moyenne 5 km par heure. D'accord. On vous a compris. Mm-hmm. Donc, une demi-heure, ça fait 2,5 km. Mm-hmm. Donc, surtout, il ne faut pas paniquer. Et se poser, déjà. Et puis après. Essayer d'établir un schéma, comme ce que je vais vous montrer après. D'accord, ok. Ok, allez, on continue. Oh, ben, c'est vraiment beau là. Ah, regarde Claudio devant. Quoi? Venez voir. Exactement ça qu'on cherchait. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, c'est pas un très grand cours d'eau, mais ça peut nous aider, vous voyez. Ah oui! Ah, un cours d'eau là, un cours d'eau là. Ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on voit un cours d'eau, c'est le suivre. Faut suivre le courant. Oui. D'accord. Ce petit cours d'eau là va automatiquement nous emmener soit vers un cours d'eau plus grand ou vers la civilisation. Vous voyez? D'accord. Alors, donc. Faut suivre. Dès qu'on en voit un, faut suivre. Ça, c'est une bonne aide. Ok. On va suivre ça. Donc, on va suivre. Allez, c'est parti. Ça, c'est bien, ça. Ah! Allez, Claudio! Regarde-moi ça! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une route? Ah oui, on dirait une route! Ah. Attendez! Là, regarde, ça traverse là! Ah, on dirait une route! Alors là? Peut-être fait par l'homme? Mais c'est une route! En tout cas? Ça amène à quelque part! Ça veut dire que si on prend, et on suit ça, on va aller quelque part, ça c'est sûr! Peut-être à la civilisation. Exactement. Parce que là, on a abandonné le cours d'eau, on va peut-être prendre cette option là, ouais. Ouais. Alors, on y va, Claudio, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Bonne idée. Bah, Claudio, vous faites quoi? Ah!
Bah t'es là toi? Bah oui. Ah bah attends Kevin. Du coup vous avez dans les mains Claudio? Alors je suis en train de me faire un chemin là. Il faut avoir la machette, j'ai la machette là. Ah c'est ça une machette? Ah oui ça c'est la machette. Il y a des plus grands, il y a plus petits, ça là ça fait 550 mm. Mais il y a plus petit et plus grand. Après quand on fait le chemin comme ça tu vois, je garde là comme ça. Toute sécurité sur votre voilà, côté? Et là je suis tranquille, voilà je suis prêt pour continuer. Ok bah allons-y alors on y va. Allez. Voilà, donc on est au milieu de la forêt, au milieu du bois, au milieu de rien en même temps, on ne sait pas où on est. Et on veut rentrer au point de départ, en sachant que au point de départ, avec mon GPS, j'ai chargé la carte de l'endroit où on est, et j'ai marqué un point d'intérêt, donc c'est le point de départ. Maintenant, je vais retourner, ce qu'on veut c'est retourner au point de départ. Et donc je vais demander au GPS de montrer le chemin jusqu'au point de départ. Pour revenir. Oui, exactement. Ok, bon on y va alors. Allez, on y va. Alors mon GPS, il m'indique la route pour arriver au point d'intérêt, c'est par là. Il y a une petite flèche là, oui, il y a une flèche. Donc il faut suivre, donc c'est par là, donc là on va trouver le point de départ. Alors ça c'est une application que j'ai chargée par internet, je paye 20 euros par an, et la description de GPS c'est marqué en bas de la vidéo là. Ok Claudio, okay. Alors on y va, on va retrouver la voiture. Vous êtes sûr que donc c'est ici non? Parce qu'on dirait pas que c'est la sortie. Normalement c'est ici parce que le GPS il dit que la sortie est juste là. Bah j'ai aussi alors. Voilà, suis-moi, normalement c'est bon. Bien. Là donc c'est normalement c'est le point d'intérêt qu'on a enregistré au départ. Voilà. Ah bah oui, on est arrivé, la voiture est là. Bien raison, on est arrivé au point de départ qu'on avait enregistré, le GPS a bien fait son travail. Et voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Et je veux dire notre vidéo, notre chaîne des trucs bêtes idiots. Et je vais dire à la prochaine fois. Hein? Voilà. Au revoir. Au revoir.